l'appréciation que j'en fais, je pense que ce n'était pas important. Ce qui était important, et ça a toujours été la position de l'opposition, c'est d'avoir une représentation pour, c'est vrai, pour les Sénégalais de l'extérieur, moi je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il fallait, comme l'avait dit l'opposition, prendre ces 10 ou 15 députés dans ce qui existait et peut-être réduire un peu le nombre de députés pour que le scrutin majoritaire départemental. Mais malheureusement, la coalition au pouvoir, sans la concertation avec l'opposition, a amené le nombre de 150 à 165. Maintenant, nous sommes devant le fait accompli, mais bien entendu, comme tous les Sénégalais, nous ne sommes pas d'accord avec cette augmentation, qui est une augmentation inutile et qui va grever inutilement le budget de notre pays. Oui, sur ce point-là, je considère qu'il y avait une rupture de dialogue. Je pense qu'il était important, avant de prendre une décision de ce type, de revoir l'opposition pour que, dans un consensus, qu'une telle décision puisse être prise. Mais nous avons vu que le pouvoir a fait un cavalier seul en prenant une décision comme ça. Sur ce point-là, le dialogue est rompu. Maintenant, il faudrait peut-être se rattraper pour les autres points qui sont essentiels pour un processus électoral transparent.